Bonsoir à tous. Nous sommes dimanche soir, une petite vidéo du dimanche. J'ai décidé en fait d'essayer de tenir un rythme et d'assurer des courtes vidéos les week-ends. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'une technique de séduction qui est ancestrale, mais qui, avec les méthodes actuelles de communication, prend beaucoup d'ampleur. Alors aujourd'hui, on va parler du breadcrumbing. Alors, comment reconnaître le breadcrumbing? Pourquoi est-ce que certains optent pour ce comportement? Qu'est-ce que le breadcrumbing, quoi? Le breadcrumbing, c'est on vous lâche quelques miettes, en fait. Hein, on vous met dans la frustration de la relation. On vous laisse croire que vous allez avoir une relation. On vous envoie des petits messages pour vous garder un petit peu en haleine, c'est-à-dire vous gardez la personne dans un coin de votre tête et puis elle donne des nouvelles, elle vous donne de l'importance, elle a sûrement saisi en vous un petit problème d'estime ou de dépendance affective et en vous donnant des miettes d'espoir à coups de like et de texto, ça vous laisse dans l'attente en fait. Est-ce que pour autant cette méthode et ce comportement, c'est de la manipulation. Il y a sûrement une part de manipulation, mais c'est surtout, je pense, des personnes qui ont du mal à vivre des relations dans la vie réelle. C'est vraiment un phénomène qui est amplifié aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On est derrière un écran, derrière un téléphone, et puis voilà, on envoie des SMS et on peut juger de son pouvoir de séduction à distance, sans prendre trop de risques. Ce comportement, même s'il s'avère pénible et perturbant pour la personne qui en fait les frais, démontre quelque chose quand même dans votre personnalité. C'est que, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, vous n'avez pas une grosse estime de vous. Parce que si vous subissez ça aujourd'hui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que vous ne vous sentez pas aimable et vous êtes sûrement dans la dépendance affective. Et l'équipe de Tekio, qui est 7 membres du réseau d'agence matrimoniale Unisys, est aussi un réseau de thérapeutes et de coachs qui peuvent vous accompagner suivant différentes méthodes que vous choisirez avec nous pour vous sortir de là et puis vivre des relations harmonieuses avec des personnes qui auront envie d'une relation durable et saine avec vous et qui arrêteront de se cacher derrière des écrans et qui peut-être même aussi pourront convaincre ces personnes de venir nous retrouver et puis de voir que de vivre des relations dans la vraie vie, c'est fabuleux et très enrichissant. Voilà. Pour me contacter, bien écoutez, vous avez toutes mes coordonnées dans l'onglet À propos de la chaîne YouTube. Vous nous trouvez sur Facebook, sur Insta, et puis pourquoi pas LinkedIn. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche soir et au week-end prochain. Au revoir.